Salut les choupis, je vous reviens aujourd'hui pour une vidéo. Alors vous allez peut-être me voir un peu rouge parce qu'en fait j'ai fait une allergie à un échantillon. Donc celui-ci que j'avais reçu dans le swap avec Cici Vivi. Donc c'est une rosée super hydratante. Et déjà rien qu'à l'odeur, j'ai senti comme une odeur d'alcool. Donc je sais pas si c'est ça. En tout cas, j'ai fait direct une allergie, j'ai trouvé ça fort. Et peut-être qu'il est périmé, je sais pas. Mais en tout cas, direct j'ai une allergie, je suis devenue toute rouge. Là, vous pouvez peut-être le voir au niveau des bords, que je suis plus rouge là que là. Enfin, voilà. Donc je vous fais une vidéo en étant rouge comme une tomate. En tout cas, j'ai mis de l'hydratant, j'espère que ça va passer. Au pire des cas, si ça passe pas, je vais me laver le visage et... abuser sur le spray. Enfin voilà. Bref, vous avez peut-être pu voir mes déboires un petit peu sur Facebook, sur Instagram, etc. C'est vraiment pas le jour, le moment, la semaine, je sais pas, mais en tout cas en ce moment il m'arrive que des couilles. Donc là aujourd'hui encore la preuve. Je vais un petit peu mieux, donc du coup je me suis dit je vais tourner une vidéo. Je fais ça pour voir si le rouge ne s'en va pas. Donc pendant plusieurs jours en fait je suis restée couchée quasiment toute la journée. Il n'y a que hier où j'ai fait un petit peu de ménage, mais vraiment rapide quoi, genre un coup de balai et puis voilà. Parce que ben, ça me tirait l'œil de voir ça. Mon mari travaille, il peut pas faire le ménage, donc voilà. Et j'étais là, bon putain, faut quand même faire quelque chose, faut quand même bouger quoi. Voilà, aujourd'hui ça y est, ça va un petit peu mieux. J'ai commencé à faire mon boulot, donc l'appartement est propre. Et ouf, enfin, il y a juste un petit peu de bordel sur le lit ici. Mais autrement, le reste c'est fait, le linge est rangé, le linge est pendu, enfin voilà, les choses sont faites. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc je vous fais en même temps un vlog et après je vous présenterai les produits. Donc en fait vendredi j'ai bu le fameux Pulco de Leader Price, enfin le citron Leader Price. En fait j'avais mis ça dans une grande bouteille d'eau. Mais est-ce que j'en ai mis trop? J'en sais rien. En tout cas j'en ai mis pas mal. Et j'ai voulu goûter, j'ai dit ouf, c'est fort quoi, va falloir que je mette un petit peu d'eau. Bref, après j'ai remis la bouteille au frigo en attendant. Je me suis dit c'est quand même meilleur frais. Et au bout de 20 minutes j'ai commencé à avoir un gros point au milieu du dos. Ben, je me suis dit tiens c'est bizarre, est-ce que c'est le citron qui passe pas? J'en sais rien, bref. Et ensuite... Ben, j'ai pas trop compris trop ce qui s'est passé. Au lieu de se calmer, ça s'est empiré en fait. Et j'ai dit à mon mari, bon écoute, on va attendre, voir si ça passe quoi. Mais j'étais pliée en 4 et il m'a donné de l'eau pour voir si ça allait passer. Mais malheureusement ça passait pas, ça a empiré. Le point dans le dos est devenu une barre dans le dos, est devenu un tour quoi, un cercle autour du ventre et du dos. Et je savais pas comment me mettre, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout, j'avais envie de vomir, je me sentais pas bien couchée, je me sentais pas bien assis ni debout, je savais pas comment faire, donc je faisais les allers-retours dans l'appartement, mais je vous dis pas, même mon mari, enfin au début mon mari il croyait que je faisais ma chochotte quoi en gros, mais non, je faisais pas ma chochotte quoi, j'avais mal. Non mais allô quoi. Et je lui ai dit je crois que tu vas devoir m'emmener à l'hôpital. Elle commence à ronchonner, à faire putain tu fais chier machin. Mais écoute chérie voilà, je préfère pas y aller à l'hôpital hein, aux urgences, sérieux, je peux m'en passer, je m'en passe quoi. Donc vers 7h30, 8h on est parti aux urgences parce que ça n'allait vraiment pas, je savais pas comment faire. Je m'étais mis au-dessus des toilettes parce que je commençais à avoir beaucoup, à sécréter énormément de bave. Mais il n'y a rien qui sortait, j'avais envie de vomir, j'y arrivais pas. Après j'ai eu la courante, mais ça c'est quelque chose, bon je sais c'est très glamour, qui est régulier chez moi à cause de mes cachets pour le diabète. Donc ben, je savais pas trop si c'était lié ou pas. Donc je suis arrivée à l'hôpital, ça va, je trouve que ça a été assez rapide pour la prise en main quoi. D'ailleurs celui qui m'a reçu, je vous l'ai mis sur Facebook, il ressemble à un acteur qui jouait dans Greek, le grand blond là, le beau blond. Je vous ai mis la photo, donc c'est Aaron Hill je crois qu'il s'appelle.
Donc franchement, mais trop canon l'urgentiste. Et en plus, il était super sympa, donc ça fait plaisir. Bref, donc il m'a déjà pris la pique, enfin pour voir si j'avais du diabète. Ensuite, il m'a pris la tension, machin truc. Puis il m'a dit, bon, je vais essayer de vous prendre en main assez rapidement, dès qu'il y a une salle de libre, machin. Donc ça a été quand même assez rapide. On m'a fait une prise de sang, on m'a fait un électrocardiogramme. Alors là, le truc en plus, je me sentais pas du tout à l'aise parce que on était dans une salle où il y avait du passage et tout. Ils ont juste mis une espèce de. Cache-vent là, les paravents ou je sais pas quoi, bref. Donc on a mis, j'avais juste ça en fait, mais le truc c'est qu'il était très bas et donc ceux qui étaient debout qui passaient en marchant, ils me voyaient. Donc j'avais les seins à l'air et tout, je trouve que c'est pas très agréable. Voilà, bref. Trêve, après une fois que ça a été fait, on m'a enlevé ma chemise de nuit parce qu'évidemment j'étais en chemise de nuit, j'étais en vieux calbut. J'avais hyper transpiré parce que j'ai fait, je sais pas, des sueurs froides ou je sais pas. Et j'étais trempée, je devais sentir un petit peu le chacal quoi. Et en plus de ça, j'avais mon bain d'huile sur les cheveux quoi. Donc j'avais l'air d'avoir les cheveux hyper gras. Mais non, non, c'était un bain d'huile. Donc je vous dis pas, il y a que ma manucure qui est à peu près potable. D'ailleurs, là, l'infirmière me l'a dit. Et donc ensuite. Donc on m'a enlevé ma chemise de nuit pour me mettre leur machin blanc là, bref. Après on m'a foutu dans un lit, enfin dans un lit. J'ai même pas un lit quoi, c'est le truc comme quand tu vas chez le médecin, sauf qu'il y a des barrières. Et c'est vraiment pas agréable d'être couché là-dessus, surtout plusieurs heures comme ça. Et donc on m'a mis dans une salle, bon il y a le docteur qui est venu, machin. On m'a fait deux intraveineuses, une piqûre, et en plus de ça, à côté t'avais une qui hurlait « Achevez-moi !» Pendant 1 heure et demie, quoi, elle a gueulé, achevez-moi. Mais putain, mais pas achevez-la, mais s'il vous plaît, quoi. Mettez-lui calmant ou j'en sais rien, mais sérieux. Ils se sont pas bougés. Pendant plus d'une heure, elle a gueulé, achevez-moi. Donc c'était vraiment super. Voilà. Donc ensuite, bon, ben, je suis rentrée avec des cachets et une échographie à faire parce que bon c'est peut-être la vésicule, on n'en sait encore rien. Je vais faire les examens avant, jeudi matin, toute la matinée, je vais en profiter pour tout faire en même temps, la prise de sang, l'échographie, le scanner s'il y a besoin, et j'ai rendez-vous en dentiste en plus à 11h30. Voilà. Donc voilà, pour l'instant je sais pas, mais en tout cas je vais mieux. Je vais mieux bah, parce que déjà j'ai eu les intraveineuses et les cachets. Mais depuis ce matin en fait j'ai commencé le traitement que j'ai reçu, que je vais vous présenter. Et ça m'a donné une forme assez sympa, donc c'est-à-dire beaucoup plus de tonus parce que bon ces derniers temps je suis très fatiguée, alors, je suis sûrement en manque de quelque chose. Donc du coup c'est pour ça que j'ai voulu prendre des vitamines déjà. Pour aller mieux et puis pour commencer un petit peu la procédure aussi, la salive, etc. L'opération. Beautésap Funèbre m'en a parlé, m'a dit tu devrais commencer le Forcapil, etc. Donc du coup, voilà. Bref. Donc, quand je suis allée chercher ce fameux Pulco et la menthe sans sucre, donc à Leader Price, donc le Pulco ne l'achetez surtout pas, je suis allée à Biocoop et j'ai trouvé ceci. Donc l'huile de coco vierge, ça sent super bon, c'est très agréable et ça nourrit bien les cheveux. Mais j'ai une petite préférence quand même pour l'huile de ricin. Il faudrait que je trouve aussi du beurre de karité pur que m'a conseillé Nomi. En tous les cas, en combo avec l'autre, mais l'huile de ricin franchement est beaucoup mieux. Bref, c'est très bien. Donc là, 4 euros et des poussières au Biocoop. Après, vous le trouvez sur internet, mais avec les frais de port, c'est toujours plus cher. Forcément, donc voilà, mais en tout cas celui-là pour l'instant très bien et j'adore l'odeur. Et en plus de ça, l'huile de coco peut vous servir également sur toutes les autres parties du corps un peu sèches, etc. Une fois que vous vous êtes épilé pour avoir la peau douce et tout, et ça sent trop bon. Donc moi je pense que je vais bien l'utiliser. Et quand j'en aurai plus, bah, vu que je vais faire mes courses régulièrement Leader Price, j'irai en face à Biocoop, c'est juste à traverser la rue, ça y est. Donc voilà.
Donc hier j'ai reçu ma commande de chez Santé Discount. Donc j'ai quand même vu qu'il y avait un site où c'était moins cher. Donc peut-être que je commanderai sur l'autre, c'est même sûr la prochaine fois. C'est Power Santé. Donc je vous invite à aller voir. Bon après c'est ma copine Malova qui me l'a conseillé. Donc si vous connaissez pas les bons plans de Malova sur Facebook, où elle met plein de bons plans, de concours, de trucs. Bref, c'est super sympa, donc je vous invite à aller voir. Donc voilà, là j'ai fait une commande sur Santé Discount. J'en ai eu pour 65 € par Colissimo et en deux jours. Enfin, j'ai commandé en fin de semaine dernière, je crois vendredi. Je crois que j'ai commandé vendredi et lundi j'avais le colis, donc ça a été super rapide quoi. Donc voilà, donc là il y en a eu pour 65 €. Et je crois pas que j'ai eu de... Non, j'ai pas eu de frais de port. Bon, par contre, il y a une TVA assez importante. Une taxe, pardon. Donc, les produits, normalement, c'est 56,94 €. Et il y a 8,95 € de taxe, quoi, en fait. Donc, voilà. Voilà. Après, là, j'ai tous les prix. Donc, je vais pouvoir tout vous dire. Ça, c'est nickel. Donc, hier, j'ai commencé à utiliser l'huile de ricin fortifiant et régénérant cheveux et ongles de Léa Nature Laboratoire, ici. Donc, la texture, je la trouve vraiment étonnante parce que elle est vachement plus épaisse qu'une huile basique. Enfin, quand je parle d'huile basique, mais je parle de toutes les huiles, quoi, que j'ai pu tester, que ce soit alimentaire ou pour les cheveux ou autre, vraiment plus épaisse, et du coup c'est peut-être plus maniable et facile à faire pénétrer, etc., puisque ça ne te coule pas dans la main, ça reste quand même assez, voilà. Donc super sympa au niveau de l'application, avec une petite serviette chaude dessus, et quand je me suis lavé les cheveux, donc normalement il conseille 20 minutes, mais j'ai laissé un petit peu plus longtemps. J'ai vraiment les cheveux beaucoup plus brillants, beaucoup plus nourris. J'ai encore un petit peu les cheveux abîmés, on va dire, par là. Mais bon, je pense qu'avec le temps, ça va se calmer. Déjà ici, ils sont vraiment sublimes. Je sais pas si vous voyez quand même que j'ai beaucoup de brillance. Mais en tout cas, vraiment, je suis très contente. Donc voilà. Et je l'ai payé... où est-ce qu'elle est ? Je dis pas de bêtises. Je vais payer dans les 8 euros. Ouais. Les 100 ml, 8,95 €. Alors que dans ma pharmacie, alors je sais pas, il faudrait que vous vous renseigniez aussi chez vous. Dans ma pharmacie, en fait, je l'ai demandé parce que c'est Pixie Woman, donc Sophie, qui me l'a dit, qui m'a dit que chez elle c'était 500 ml pour 4 €, 5 €, parce que bon, elle faisait un truc en gros quoi, enfin je sais pas, j'ai pas trop compris, enfin je sais pas trop comment expliquer, surtout elle doit avoir plusieurs litres et donc pour ses clients elle fait des trucs, voilà. Et c'était vraiment pas cher, je suis allée chez la mienne et donc les 30 ml j'en avais pour le même prix, pour les 30 ml. Il y avait ça dedans quoi. Donc j'ai dit non, enfin non, j'y suis pas retournée parce que je me suis dit faut pas abuser quoi. T'es sérieuse quoi. Donc j'ai préféré attendre, aller sur internet et puis voilà. J'en ai profité pour prendre plusieurs trucs que je voulais. Alors il y a. Vous voyez quand même le carton, il n'est pas très grand. Protégé, il y a un petit bout de carton en dessous, mais bon, c'est pas non plus la protection du siècle quoi. Surtout qu'il y avait l'huile, donc c'est un peu délicat. Le seul échantillon que j'ai eu, c'est ça. Bon, ok, sympa. Mais bon, il y a eu mieux quoi. Il y a pire, hein, ils auraient pu ne rien mettre, mais voilà. Donc j'ai commencé depuis ce matin à utiliser ce produit. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il est à 7,64 € et il y a 28 gélules pour 2 semaines. C'est fabriqué en France, c'est des compléments alimentaires pour avoir plus de tonus et de vitalité, ce que j'avais besoin parce que ces derniers temps, je sais pas si c'est le temps, la fatigue accumulée, la maladie ou quoi, mais en tous les cas j'étais super fatiguée et j'ai commencé à le prendre ce matin et j'ai vu direct les fleurs. Je sais pas si c'est psychologique, mais franchement, direct, au bout d'une heure, j'étais en forme et j'ai commencé à faire mon ménage et tout, alors que franchement, j'étais fatiguée et tout. Comme je vous ai dit sur Facebook et tout ça, j'ai beaucoup dormi.
depuis vendredi en fait. Et j'avais vraiment pas de vide, enfin de tonus quoi, j'étais. Voilà. Et là, ce matin, ça y est, c'est revenu quoi, d'un coup. Et ça faisait des mois que j'avais pas eu de trucs comme ça quoi. J'ai fait mon ménage à fond, tout est fait à la maison, je suis contente. Voilà, ça y est, mon tonus est là. Et donc, il y en a pour 28 jours. Après, bon, ben, voilà. Je sais pas si je rachèterai parce qu'il y a que 28 pilules quand même. Enfin, que 28 jours. Non, même pas. Que 2 semaines de cachet puisqu'il y a 14 jours. Puisqu'il y a 2 pilules par jour le matin. Et moi, je la trouve vraiment pas mal. Donc, pour l'instant, je suis vraiment contente. Donc à voir après, je sais pas si je rachèterai, mais en tous les cas, si je devais le conseiller, je le ferais parce que, en tout cas, là, voilà, quand j'aurai fini le produit, que je vous en parlerai dans les produits finis, je vous dirai. Mais en tout cas, là, je suis vraiment contente pour le premier jour, ça me fait vraiment de l'effet. Si vous voyez un bleu par là, vous inquiétez pas, je ne suis pas une femme battue, c'est les... intraveineuses, hein, il m'a piqué très mal. Donc du coup voilà le cadeau. Merci sosie de Aaron Hill. Là ça va, là il m'a piqué là pour me faire juste la piqûre là, pas l'intraveineuse. Ça allait, mais alors de ce côté-là, je vous dis pas. Bref, ensuite j'ai pris également ici BioCB. Donc là il y a pour 50 jours dans celle-ci. Donc c'est toujours des vitamines. Je ne vous ai pas dit celle qu'il y a ici. Je vais vous le dire tout de suite. Il y a du ginseng, vitamine AB1, B12, B2. Bon, je ne vais pas vous dire parce que il est marqué par exemple niacine. Ça, je ne vais pas vous dire. Je vous dis directement les B machin. B2, B3, B5, B8, B9, C, D3, E, B6, magnésium, potassium, sélénium, zinc, chrome, cuivre, manganèse. Voilà tout ce qu'il y a déjà là-dedans. Et je suis contente. Il n'y a pas de fer, donc je me dis c'est peut-être pas du fer que je manque, ou peut-être que si quand même. Mais en tous les cas, voilà, on verra bien ça aux prises de sang jeudi. Donc ici, donc dans celui-ci pour les 50 gélules, c'est 11,80 €. Je sais pas pour combien de temps. Ouais, c'est une gélule par jour, donc au cours du repas. Donc moi je vais le prendre le matin parce que c'est là que tu as besoin de vitamines quoi. Donc c'est les laboratoires Nutergia. Donc ça fait 50 jours de traitement. Ça vaut quand même le coup. 11,80 € ou je sais pas quoi. Là on a vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, C, D3, E, zinc, chrome, extrait de citrus. Voilà ce qu'on a là-dedans. Donc c'est celle que je prendrai en suivant après avoir pris celle-ci. Donc oui, je vais directement, enfin je vais enchaîner les vitamines parce que je pense que moi j'en ai besoin. Après peut-être que tout le monde n'en a pas besoin, mais en tous les cas, moi mon corps en réclame, je pense. Donc je vais continuer à prendre des vitamines tout le temps. De toute façon, une fois que je suis opérée, je suis obligée pour pas faire de carence. Et là, je vais continuer. Voilà, je vais commencer et continuer dans cette foulée-là, quoi. Donc c'est pour ça que je pense tester plusieurs marques. La boutique Power Santé qui m'a l'air quand même vachement moins chère. Et en plus de ça, il y a beaucoup plus de produits. Donc je testerai, on verra. Donc la marque BioCB, j'ai vu que sur la fiche, il y a une fiche descriptif. Et il marquait aussi que ça retarde la prise de poids, ou je sais plus ce qui était marqué. En tout cas, que ça contribue à pas l'augmenter, quoi. Voilà. Donc ça m'intéressait. Je me suis dit, bon, je vais le prendre. On sait jamais, c'est pas intéressant. Donc voilà. Ensuite, toujours dans les vitamines, je me suis repris Bion 3. Donc je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines, je vous ai fait un produit fini, j'avais fait une cure et je vous avais parlé justement du Bion 3 parce que celle que j'avais pris était moins chère, mais alors une merde, pas possible, ça m'a rien fait du tout. Là j'ai repris Bion 3 parce que ça m'avait énormément fait de bien. J'en ai même parlé à ma mère ce matin, je lui ai dit, mais tu sais, Joseph, c'est mon beau-père, avant il prenait du Bion 3, donc c'est que ça même que c'était bien, et pourquoi il en prend plus, enfin, elle m'a pas trop dit, enfin je lui ai dit... Moi, c'est un truc que ça, j'avais vraiment aimé parce que j'avais vraiment de l'énergie. Là, je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, je trouve que je suis plus, que je parle plus, enfin, que plus vite, j'ai vraiment de l'énergie, quoi.
Donc voilà. Et j'ai envie de continuer à en avoir. Et là, on a vraiment beaucoup de vitamines. Encore bien plus que sur les autres, je vous assure. Ici, on a vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D, E. Probiotiques, je sais pas ce que c'est. Iode, chrome, manganèse, sélénium, zinc, molybdène et du fer. On a tout ça dans ceci. Là, il y a 90 comprimés, donc ça fait 3 mois. Voilà. Et je crois que vous pouvez en trouver des encore plus grandes, enfin, ouais, des plus gros trucs. Donc voilà, c'est quand même intéressant. Je parle tellement vite que des fois, je perds mes mots. 12 vitamines, 7 minéraux, 3 probiotiques. Voilà, donc tout ce qu'il y a dedans. Celui-là, l'ayant déjà testé, voilà, je suis convaincue de son efficacité. Je le rachèterai probablement régulièrement, ce produit-ci. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc après, il faudra voir sur le site Power Santé. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, évidemment, s'il n'est pas moins cher. Là, je l'ai payé. Bion 3, 16,95 €. Voilà, c'est un prix quand même, mais il y en a pour 3 mois, donc 16,95 €, c'est pas la mort quoi. Ensuite, donc j'ai pris Forcapil, puisque c'est ce que m'a conseillé ma petite beauté sable funèbre. Donc pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc là, celui-là, je l'ai payé 9,95 €, il y a 60 gélules, je crois, donc 2 gélules par jour. Ça fait donc une cure d'un mois. Là-dedans, vous avez complexe vitamine B, D, cystine, méthionine, biotine, zinc. Il m'a l'air pas mal. Il coûte 9,95 €, ok, mais c'est que pour un mois. J'ai vu qu'il y avait une offre beaucoup plus intéressante. Et puis. Beauté Sable Funèbre me l'a dit, donc Sable, au Leclerc, pour une cure de 3 mois, c'est 16 euros et quelques, et tu en as un gratuit ou je sais pas quoi. Donc je pense que j'irai essayer de le trouver, au pire quand je viendrai chez elle, si je viens chez elle, j'espère franchement ne pas avoir de contretemps, de me faire opérer ou je sais pas quoi, de la vésicule ou d'une connerie comme ça, parce que ça me ferait chier. Je pense que voilà. Autrement, sur Power Santé, les 16,90 € pour les 180 gélules ou je sais pas quoi, bref, je l'ai vu, donc je pense que je le prendrai. Donc là, je l'ai commencé aujourd'hui aussi, donc on verra. Mais bon, là, il faut vraiment, je pense que je vais le commander le mois prochain, le mois d'après, de toute façon, il me le faut absolument parce que j'ai pas envie, je fais une cure avant de faire l'opération justement pour pas avoir trop de séquelles et j'en continuerai après donc de faire cette cure-ci. Donc voilà, parce que mes cheveux ils se voient un peu mieux, je trouve qu'ils ont plus de volume ou alors je sais pas, mais je trouve qu'il y a moins de perte de cheveux. En tous les cas, voilà. Ce produit-ci, on verra l'efficacité, mais de toute façon, je vais quand même faire la cure 3 mois, puisque de toute façon, une cure pour les cheveux, il faut la faire minimum 3 mois, puisque le cheveu a 3 mois de vie, de machin, enfin le cycle est comme ça. Donc tu peux pas voir l'efficacité tout de suite, il faut attendre, je crois, 6 mois pour vraiment la voir, quoi. Donc bref, alors il y en a un que je vous conseillerais pas, ça commence par un D, je sais plus le nom, mais le paquet est blanc et orange, une cure de 3 mois. Elle a diminué, elle a 26 euros, mais il y a quelques années, je l'avais acheté pour 90 euros et ça ne sert à rien. Donc surtout, ne l'achetez pas. Bref. Donc, Forcapil, franchement, à essayer. Moi, je suis dans l'optique vraiment de faire une cure complète sur ce produit-ci et puis voir, puisque j'ai en totale confiance ma sable. Voilà. Et puis j'ai fini par prendre également la levure de bière, Revivifiable, Beauté Vitalité. Donc là, en suivant du Forcapil, je fais la levure de bière. Il y a 200 gélules, ce qui fait 40 jours. Donc je sais pas, on doit en prendre 3 dans la journée, un truc comme ça, je sais pas. Donc c'est des trucs qu'il faut que après je continue à prendre. Je ne ferai pas des cures pour les cheveux, on va dire, tout le temps comme les vitamines. Mais je pense une fois sur deux, voilà, changer, faire Forcapil, levure de bière, Forcapil ou un autre truc, levure de bière. Donc là, je l'ai pris, la levure de bière,
Il y en a pour 10,60 € pour ce contenant-ci. En pharmacie, ça coûte la peau du cul, mais apparemment, vous pouvez les trouver dans les rayons bio de vos magasins. Pas trop cher, donc à voir. Je vous invite à aller faire un tour. Là, pareil, une fois que je l'aurai fini, j'en rachèterai. Parce que bon, bah, c'est quelque chose, la levure de bière, qu'on a besoin, je pense. Parce que quand on est fragile et que voilà, moi je perds mes cheveux, les ongles, c'est pas terrible. Donc voilà. Donc en tout, j'en ai une pour 65 €. Ça fait un coup, mais bon, il y en a pour plusieurs mois de traitement quand même. Mais bon, après, je vais voir, comme je vous ai dit, sur l'autre site, voir si c'est moins cher, etc. Donc je vous en dirai un peu plus à ce moment-là. Après, l'huile de ricin, je pense quand même qu'elle va me durer un moment. Donc je vais pas la racheter, hein. Je vais pas la racheter tout de suite, quoi. Donc, mais bon, une fois qu'elle sera finie, je la rachèterai tout continuellement aussi. Peut-être une autre marque, je sais pas, mais en tous les cas, voilà. Voilà, 65 € sans frais de port, ça vaut quand même le coup. Donc aujourd'hui, j'ai reçu ma commande Aromazone. Donc elle était un petit peu fracassée dans le truc, hein, clairement. Et donc, je ne l'ai pas encore ouverte. Donc là, on a le magazine Aromazone. Et en fait, j'ai pris des huiles essentielles parce que ben, j'en ai entendu beaucoup de bien. Bon, là, il y a énormément de choix, dis donc. Je pense que je vais beaucoup me tourner vers ce site-ci parce que c'est quand même vachement moins cher qu'en magasin. C'est un site quand même de confiance. Et puis, bon, on en entend quand même énormément parler à Amazon. Et bon, je sais pas si je serai dans l'optique de fabriquer mes trucs. Hein. Clairement, ça ne me dit rien du tout. Mais en tous les cas, les huiles essentielles, l'huile de coco, les machins comme ça, l'huile de ricin, j'achèterai là-dessus, il n'y a pas de problème. Si le prix est raisonnable, évidemment, je ne vais pas acheter un truc qui coûte la peau du sac, quoi. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Voilà, moi je cherche quand même les bons plans à la base. Bref. Alors, voilà le magazine. Ok, vous avez vu. Ici, j'ai donc la commande. J'en ai pour 18,30 €. Donc, frais d'envoi 5,50 € et total des achats 12,80 €. Donc, voilà. C'est un peu cher pour les frais d'envoi parce que j'ai pris que ça, quoi. Limite, je préférais qu'ils me mettent dans une grosse enveloppe et puis payer 3 € de frais de port parce que ça me coûte quasiment le prix d'une huile. Donc, voilà. Alors, les huiles que j'ai pris, en fait, il y a une fiche. Alors, je vous mettrai le lien. Une fiche. Une page qu'ils ont sur leur site, Aromazone, qui en fait vous explique quelles sont les huiles essentielles qui apportent quoi. Donc là, honnêtement, je ne peux pas vous dire toutes, mais je vous le marquerai quelque part. J'ai pris la cannelle. Donc là, il est marqué gourmande et tonique, mais normalement, elle apporte quelque chose. Et vous avez le descriptif à chaque fois. De toute façon, je crois qu'en cliquant sur les huiles essentielles, vous avez aussi les effets qu'ils procurent. Moi, j'ai pris deux. Sur tous ceux que j'ai pris, j'en ai pris deux qui sont en fait pour les problèmes digestifs, de foie, etc. Donc, évidemment, hein, vous avez compris que. Et je l'ai pris. J'ai commandé avant d'avoir la crise de foie, là. Apaisante, régénérante. Ok. Donc, ouais, on n'a pas vraiment. Le citron, je sais plus pourquoi c'est. Je crois que c'est pour digérer aussi. J'ai pris le Gaultéry couché. Je sais plus qu'est-ce que ça. Bref, de toute façon, je vous mettrai ce que ça fait. Carotte et cannelle. Donc la cam, c'est tout. Alors, la cannelle, vous avez 5 ml. Et puis les autres, c'est tout 10 ml. Donc la cannelle, 3 €. La carotte, 4,50 €. Le Gaultéry couché, 2,50 €. Et le citron bio, 2,80 €. Donc ça va, c'est raisonnable. Il y a d'autres produits que j'aimerais m'acheter, mais qui sont un petit peu plus chers, autour de 5 € chacun minimum.
Donc notamment un pour aussi avoir du tonus et de la vitalité. Il y en a un que je voudrais me prendre, que je vais me prendre pour cet hiver pour la baisse de immunitaire. Pour la baisse immunitaire, parce que bon, en hiver, on tombe quand même souvent malade. Donc j'aimerais me prendre ces huiles essentielles justement pour ça. Il y en a un pour les peaux grasses, donc je vais me le prendre aussi. Et puis je sais plus exactement les autres, ce que c'était, bref. Après, je ne sais pas encore comment je vais les ingérer. Il y en a qui le mettent sur du sucre. Moi, évidemment, vu que je suis diabétique, c'est pas possible. Mais peut-être dans un verre d'eau ou dans quelque chose comme ça, mettre une goutte. Et boire cul sec et faire ça tous les jours ou mettre une goutte de chaque. Enfin, je sais pas encore comment je vais faire. Si vous avez des conseils, parce que si vous connaissez ou quoi, bah, ce sera super sympa de me tenir informée et de me dire vous ce que vous en pensez. Bref, cette vidéo est très longue, je m'en excuse, mais j'ai dû vous faire le petit vlog avant. Et puis, je voulais quand même vous détailler mon avis sur les produits que j'ai déjà commencé à tester. Donc voilà. Je vous conseille vraiment tous ces produits, l'huile bio, l'huile de ricin, les vitamines, c'est quand même quelque chose d'important. Voilà, prendre soin de soi, j'essaye de faire au maximum là pour vraiment prendre soin de moi. Vous avez vu que ma santé, malgré que j'essaye de faire attention, ben, voilà, y a un souci quelque part. Voilà, donc il faut vraiment au maximum faire attention et donc j'essaye de faire et voilà donc. Au fur et à mesure des mois, je vous en parlerai plus en profondeur. Donc voilà, plein de bisous, j'arrête de parler et je vous dis à bientôt, bye bye.